contente d'aller me promener au parc. Je te raconte pas la journée de dingue que je viens de passer. Mais t'es restée à la maison à jouer avec le chat? Ben oui, c'est bien ce que je dis. Oh tiens, c'est nouveau ça. Achetez une pizza, la deuxième vous est offerte et vous avez droit à une boisson gratuite au choix. C'est tentant. T'as pensé à Gino? Ça lui fait de la concurrence, je me demande ce qu'il en pense. Voglio ucciderlo, porca miseria! Je ne comprends pas l'italien, mais je n'ai pas l'impression qu'il soit super ravi. Si, je suis furioso. C'est de la concurrence déloyale! Oh, calme-toi, Gino, c'est qu'une camionnette, tu vois? Une toute petite camionnette. Non! C'est une provocation, une attaque sournoise, une invasion inadmissible. En Italie, ça déclencherait une vendetta. Je vais perdre toute ma clientèle, faire faillite et être obligé d'aller vivre dans les bois. Mais non, enfin, tes pizzas sont les meilleures de la ville. Personne n'a envie d'aller en acheter ailleurs. Et surtout pas nous. Ah, si? Veramente? Vous n'irez pas chez Italia Presto? Maman, qu'est-ce que tu fabriques? Le frigo est cassé? Non, rangé. En haut, les aliments périmés et en bas, ce qui est encore bon à manger. Quel plat succulent peut-on préparer avec de la moutarde et des bananes? À part des bananes à la moutarde, je vois pas. Burk. J'allais le dire. Alors la question reste entière, qu'est-ce qu'on mange? Salut, vous avez faim? J'ai acheté des pizzas. Tu ne peux pas mieux tomber. Italia Presto? Donc désolé, on peut pas manger ça. Ben pourquoi? Elles sont encore chaudes, je viens de les acheter. C'est pas la question, ce serait de la trahison. On l'a promis à Gino. Mais enfin, on est en démocratie. Vous avez le droit de manger les pizzas que vous voulez. Ce n'est pas une histoire de droit, c'est une histoire d'amitié. Et puis tu ne sais pas ce que Gino fait à ses ennemis. Non. Moi non plus, mais j'ai pas envie d'essayer. On préfère encore manger des bananes à la moutarde. On a promis, tu comprends? Bon, tant pis. Je vais manger ces deux délicieuses pizzas tout seul. Je vais me régaler. Elles sentent vraiment bon, vous ne trouvez pas? Alors? Alors, si Gino apprend qu'on a mangé ça, on est bonne pour la vendetta. T'en fais pas, j'irai jeter les cartons demain matin en partant à l'école. T'es sûre? Mais oui, y a pas une chance sur mille que Gino sorte ses poubelles en même temps que moi. Ciao, Bella. Tiens, Gino, alors comme ça, tu sors tes poubelles pile en même temps que moi, c'est drôle. Merci. Ouais. Écoute, celle-là est pleine. Il faut aller bah, ailleurs, quoi. Bah, non, il y avait tassé. Ah, porca miseria! Italia Presto! Ah! Je suis vraiment extrêmement déçu. Attends, Gino, je vais tout expliquer. Écoute. J'en ai mangé qu'une seule part et j'ai même pas trouvé ça bon. Et maman, pareil. Quoi? Mia Poupa, elle en a mangé aussi? Vous allez apprendre ce qu'on fait aux traîtres dans mon pays, vendetta! Tu crois qu'il va nous pardonner? Il avait l'air vraiment, vraiment fâché. Je lui ai acheté 12 roses rouges. Je suis sûre qu'il va apprécier ce geste. Vous auriez dû acheter des chrysanthèmes pour les mettre sur la tombe de notre amitié. Ah, bon. Ok, t'es très fâché, mais si on essayait de discuter tranquillement de tout ça? Non, je ne discute qu'avec mes amis. Bon, ben, on peut dîner, s'il te plaît? Non, ce soir, tout est réservé. Bah, je suis sûr que vous trouverez des délicieuses pizzas ailleurs, non? Chez Italia Presto, par exemple. C'était pas très sympa, ça. Pas très sympa? C'est carrément mufle, oui. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu sais quoi? On va faire exactement ce que Gino nous a conseillé. Lui acheter des chrysanthèmes? Oh non, on va aller dîner chez Italia Presto. Alors, qu'est-ce qui te tente? Je sais pas, maman. Je me demande si c'est bien qu'on vienne dîner ici. Si Gino l'apprend... Oublie Gino, choisis plutôt une pizza.
quatre saisons, margarita, calzone. C'est que j'en ai un peu assez des pizzas. Alors, laissez faire Massimo. Je vais vous régaler avec la spécialité de la casa. Ok. Vous fermez déjà, Gino? Si. Ce soir, il n'est pas la tête à faire des pizzas. C'est à cause d'Italia Presto? Si, porca miseria! Ce pizzaiolo maledetto, il a ruiné une amitié que j'ai pensée éternelle, belle comme les plafonds de la chapelle Sixtine. Pardon? Je disais que cette concurrence, c'est dur. Ah, ça c'est sûr. Italia Presto vous vole tous vos clients. D'ailleurs, Lou et sa mère, ils dînent en ce moment, je viens de les apercevoir. Quoi? Votre spécialité de la casa était un vrai délice. Oh oui, alors. Honnêtement, Massimo, c'est le meilleur osso buco que je n'ai jamais mangé. Cette fois, c'est la guerre. Et voilà. Oh, c'est superbe. Salut, Gino. Hé, arrête. Au petit B de la question 3, j'ai trouvé 41. Et toi? Lou, tu m'écoutes? Au petit B de la question 3, qu'est-ce que t'as répondu? De quelle question tu parles déjà? Ok, c'est quoi ton souci? Non, mais c'est cette guéguerre avec Gino, j'en peux plus, ça me prend la tête. Bah, t'as qu'à essayer d'arranger les choses. Je veux bien, mais comment? Bah, Docteur, il paraît qu'un terrible virus s'est répandu dans votre établissement. Il ferait perdre la mémoire. Effectivement, et il est très virulent. Comment vous appelez-vous déjà? Je ne sais pas. Et vous, qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous entré dans mon bureau? Je ne sais plus. Coucou. Au lieu de déprimer devant la télé, que dirais-tu de commander une pizza Lou? Nouveauté chez Italia Presto. La pizza Lou. Une pizza Lou? Oui, mais Massimo l'a créée en ton honneur. Allez, habille-toi, on va voir à quoi elle ressemble. Franchement, j'ai pas très faim. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ben, en fait, Gino me manque, pas toi? Salut! Si, Gino me manque un peu, beaucoup même. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être lui dire qu'il nous manque tout simplement, non? Qu'est-ce que tu fais ici? Ben, j'ai... T'es un peu perdu, on dirait, comme moi. Tu sais quoi? Quand on est perdu, le mieux, c'est de regarder autour de soi pour voir si on a un ami. Là, à côté de moi, j'ai un ami, et je voudrais pas le perdre. Parce qu'il me manque. Ciao! Pas fait ça. Maman, la
la camionnette de Massimo a disparu. J'en sais rien si c'est un coup de Gino, moi. Ok. Au revoir. Ciao, mie puppe. Qu'est-ce qui se passe avec Massimo? Il déménage. Il va s'installer ailleurs? Si, on a passé la soirée ensemble. Il est simpatico. On a décidé de ne plus se faire concurrence. Il va s'installer dans un autre quartier. C'est plus facile pour lui de se déplacer. Son osso buco me manquera. C'est le meilleur que j'ai jamais mangé. Jusqu'à ce soir, mia puppa. Vous êtes mes invités. J'espère qu'on va rester amis longtemps, Gino. J'ai encore besoin de pas mal d'entraînement. Moi aussi, qui l'espère de tout mon corps. S'il y a bien un truc que je déteste, à part l'haleine de mon chat au petit déjeuner, c'est la couleur rose. On en voit partout. Alors je sais pas quel est l'imbécile qui a décrété que les filles aimaient le rose, mais franchement, les garçons, eux, ils y ont pas droit au rose. Je suis sûre que ça leur irait bien en fait. Bref, à partir de maintenant, je déclare la guerre au rose et je le bannis définitivement de ma garde-robe. Dis, qu'est-ce que tu préfères, Juni? Le noir ou bien le noir? Ok. Alors on va dire le noir. Et voilà, ça c'est de l'indémodable. C'est quoi ça? T'es devenu gothique. Allez, t'es bon pour un shampoing gratuit. Hey! Non. Qu'est-ce qui se passe ici? La boulette a fait un plongeon dans la teinture noire et il en a mis partout. Ah bon? Ouf, j'avais peur que ce soit un truc grave. Oh.
Aujourd'hui, c'est un samedi tranquille, non? Ouais, tranquille. Rien de spécial à faire, juste quelques courses et après, repos. J'ai le même programme, un peu de ménage et après, détente totale. Misère. Oh non, ça m'énerve. Ça, c'est vraiment pas de bol. Bon, je vais me doucher, ça ira mieux après. Là, toi. Moi, je prends des douches. Peut-être tu préfères les bains. Mais c'est pas les bains qu'on verra sous la mousse. Ah ah. Et oui, c'est le chauffe-eau qui a encore claqué. C'est bizarre, on l'a fait réparer la semaine dernière. Comment je fais pour me rincer, moi, maintenant? À moi le poste de fin de niveau. Non. Qu'est-ce qui se passe encore? La console, elle vient de me lâcher. Ma sauvegarde effacée. J'arrivais au boss de fin de niveau. Waouh, dur. Ah, tu veux regarder un peu la télé pour te changer les idées? Les quarks, ce sont les petites briques qui composent la... Le mauvais œil, la poisse, la chkoumoune, tout ça, t'y crois toi, maman? Non, et je refuse de céder aux sirènes de l'irrationnel et de la superstition. T'as raison, on a juste pas de bol, c'est tout, ça arrive. Oui, heureusement que ce samedi devait être cool. C'est gelé, ça c'est chauffant. Non, non, non. Ah, te voilà, allez, ouste du balai, pliche le camp. Misère. Allez. Viens, on rentre à la maison. Misère. Ah, te revoilà, toi. Fais pas ta tête de chien battu, je t'en veux pas. Oh non. Les clés. Oh. Comme chaque année, à cette date, je suis absente toute la journée pour des raisons qui ne regardent que moi. Signé Madame Chion. Pour une fois qu'on a besoin d'elle. Maman, ça va? Pas vraiment. Non. Ventre cinglé! Le maudit! Non, mais dites, ça va pas? C'est quoi ces gesticulations? La griffe ardente du Shaolin pourpre. Les chats noirs portent malheur, vous n'y croyez pas? Ben, non. On n'est pas vraiment superstitieuse. Vous ne connaîtriez pas plutôt un truc ardent pour ouvrir les portes parce qu'on est enfermé dehors, là? La malchance, c'est scientifiquement prouvé. Suivez-moi, je vais vous montrer. Voici Napoléon Ier, peint la veille de la défaite de Waterloo. Remarquez l'animal à ses pieds. La photo officielle du Titanic, le jour de son inauguration, quelques jours avant qu'il ne coule. Les astronautes de la mission Apollo 13, juste avant l'explosion du réservoir d'oxygène. Avant chacune de ces catastrophes, un chat noir était présent. Et ça, c'est quoi? Une radio où on voit un chat noir à bord de l'Hindenburg? Pire que ça! Une radio de ma hanche, après mon accident pendant le tremblement de terre de San Francisco en 1906. 1906? Vous étiez né? Plus ou moins. Vous allez voir, c'est très pratique pour ouvrir les portes. La classe! Merci. Remerciez plutôt la science. Vous ne voulez toujours pas croire que ce chat vous porte la poisse? Eh bien, appelez donc votre voisin, celui avec une chemise en cuir de bic. C'est un gilet en peau de mouton. C'est pareil. J'arrive! Oh non, ma poignée! Je l'ai changée hier.
Qui est-ce? C'est moi. Ah bah désolé, je peux pas t'ouvrir. T'en fais pas, à plus. Ok, à plus. Oh. Alors, c'est pas vrai. Convaincu? Ben là, il faut bien admettre que... Bon, il faut absolument laver ce chat plein de mauvaises ondes. Hé hey! Reviens! Pour combattre la bête, vous avez besoin d'une puissante protection. Voici mon trèfle à quatre feuilles. Fenêtre. Roger. Fromage. Prêt. Épuisette. En main. Le bon moment pour remédier à ça, ma louloute. Là! J'y vais. T'es sûre? Je ne risque rien. J'ai le trèfle de l'ancien. Ben dites donc, les Spider-Women, heureusement qu'un passant vous a vu. On peut dire que vous avez eu une sacrée chance. De la chance, nous? Ah non, ça risque pas. Hein? Dites, mesdemoiselles, qu'est-ce que vous fabriquiez toutes les deux sur cette citerne? Trop long à expliquer. Une histoire de chat noir. Un chat noir? Ça ne serait pas celui-là par hasard. Je l'ai trouvé en bas de la rue, au beau milieu d'un carambolage. Pas une égratignure. Il a un de ses bols. Teinture avec fixateur intégré quasiment indélébile. Quoi? C'est pas vrai! Mais qu'est-ce qu'on va devenir? La poisse va nous coller jusqu'à la fin des temps? Peut-être pas. Ça lui va pas mal, cette couleur, non? Oui, ça met ses yeux en valeur. Finalement, j'avais raison. Le rose, ça va très bien aux garçons. We'll be right back.
petit déjeuner au lit, hein, pour ma louloute. Mais on est samedi, c'est le week-end. Justement, raison de plus pour commencer tôt cette merveilleuse journée. Écoute ça, ma louloute. Le coffret de la saison 3 de Guffy est disponible. J'adore. Oh, ils ont sorti une toute nouvelle console de jeu. Quelle bonne idée. Tiens, dis-moi ce que tu en penses. Je pose juste ce calendrier ici, comme ça on n'oubliera plus jamais aucune date importante. Salut. Salut. T'as pas oublié, demain c'est la fête des mères. J'avais cru comprendre, ouais. T'as un cadeau, toi? Oui. Et comme chaque année, c'est ma mère qui le choisit et qui l'achète. Regarde. Waouh. Et voilà, il n'y a plus qu'à l'emballer. Et demain, elle dira: oh, ma chérie, c'est merveilleux. Oh, comme ça, je pourrais avoir de belles images de toi en train de grandir. Et toi, shopping catastrophe au dernier moment, comme d'hab? Et non, cette année, j'ai trouvé le cadeau qui tue. Encore un jeu? Mieux. Le coffret collector deluxe de la réédition de Space Galactica version longue, tirage limité. Je connais pas. Bah, t'as de la chance. Parce que moi, ce film, je le connais vraiment, vraiment par cœur. Le vaisseau ne répond plus aux commandes. On va droit dans le trou noir. Seul Ulysse 340 peut nous sauver. XB-12, trouve-le. Ulysse 340, qu'est-ce qui t'est arrivé? Manichella est une traîtresse. Elle a sabordé le cyber-gouvernail laser et les réacteurs à propulsion nucléaire. C'est pour ça que le cyber-circuit de refroidissement du moteur solaire ne fonctionne plus. J'ai fait ça pour votre bien. Nous ne pouvons pas retourner sur Terre car la Terre a été détruite. Oh là là. Comment tu peux dormir devant un tel chef-d'œuvre? Peut-être parce qu'on l'a déjà regardé hier, avant-hier et deux fois le week-end dernier. Oh, pardon, trois fois. Elle est totalement fan alors. Tu m'étonnes. Rien ne peut lui faire plus plaisir que ce coffret. Si vous parlez du coffret Space Galactica, le colis s'est perdu. J'en ai recommandé, mais ça arrivera dans trois semaines. Désolé. Misère. Hein? Richard? J'ai cru entendre un bruit d'aspirateur, alors je voulais voir si... tout va bien. Ma mère arrive. Tous les ans, elle trouve un prétexte pour débarquer le week-end de la fête des mères. Et tous les ans, c'est une catastrophe. Ouais, merci. Je ne suis pas assez propre, c'est ça le message que tu veux me faire passer? Ah, c'est moi ça. Une extraterrestre au milieu de plantes carnivores, c'est comme ça que tu me vois. Mais cette année, pour une fois, j'ai décidé de ne pas tout rater. J'ai un plan. Maman. C'est le bazar ici, comme d'habitude. Tu sais que demain, c'est la fête des mères. Ah bon? Vraiment? Arrête de faire l'innocente. Chaque année, à cette occasion, tu inventes un prétexte pour venir. N'importe quoi. J'ai un tournoi de bridge demain. Maman, tu ne sais pas jouer au bridge. De toute façon, vu les cadeaux que tu me fais... Eh bien, cette année, ça va changer. Je t'emmène faire les boutiques. Tu pourras choisir quelque chose qui te plaît. Mais... Pas de mais. Pour une fois, c'est toi qui m'écoutes. Tu veux pas arrêter, Mina? L'heure est grave, là. J'ai mis toutes mes économies dans ce coffret. Il me reste zéro budget. Offre-lui une création made in Lou. Franchement, à part un collier de nouilles ou un dessous de plat en coquillage, je vois pas. Sans argent, sans idée, Lou renonce et se laisse aller au désespoir et tout ça sous l'œil de notre caméra. Mina, mais t'es géniale! Hein? J'ai trouvé mon cadeau. On va refaire le film Space Galactica avec les moyens du bord et cette caméra. Ça va être mortel! Mortel! Avec ses ressorts huilés, les rats n'ont plus le temps de s'enfuir. Certes, mais lui, il attire les cafards. Oh. Vous devriez le savoir. Bonjour. Bonjour. Merci. Regarde, un détecteur laser de souris. Tu veux que je multiplie ma facture d'électricité par 10? Alors, tu trouves quelque chose qui te plaît? Tout le monde est prêt? Attention. Moteur. Hé, attends, on n'a pas fini avec le chat. Elle a sabordé le cyber-réacteur, le cyber-gouvernail laser et les réacteurs à propulsion nucléaire. XB-12 va biffer dans 30 secondes.
En place tout le monde. Faut qu'il aille vers Richard. Allez, moteur et action. Allez, Chachoumou, allez, va voir Richard. Allez, vas-y. Coupé. C'est pas gagné. Non. Bon, 78. Mais c'est ma dernière offre. Pour la millième fois, je vous répète que cet écureuil n'est pas à vendre. Il a été commandé par une cliente. 94. Ça suffit, ces marchandages. Tu me fais honte. Allons-nous-en. Écoutez-moi, pour la première fois en 8 ans, j'ai vu ma mère sourire. La dernière fois, c'est quand son voisin a glissé sur une crotte de chien. Je peux pas lui offrir ça pour la fête des mères. Cet écureuil est mon dernier espoir, vous comprenez? 125. Non. Action. Manikela est une traîtresse. Elle a sabordé le cybergouvernail laser et le réacteur à propulsion nucléaire. C'est pour ça que le cybercircuit de refroidissement du moteur solaire ne fonctionne plus. Coupé. Génial. Montre. Allez, fais voir. Allô? Formidable. C'est quoi cette image? Me dites pas qu'il faut la refaire, hein? Eh, hey, je dois vous laisser. Une urgence, désolé. Madame Schiom, s'il vous plaît, on y était presque, attendez. Et là, c'est le drame. Quelle lampe affreuse! Qui peut oser mettre de telles horreurs dans son salon? T'as vu celle-là? On dirait une cocotte minute. À vous le rongeur, et tout de suite. Mais comment peut-on porter des oripeaux pareils? Ôte-moi d'un doute, ce machin, c'est une chemise de nuit ou une robe? Maman, j'ai oublié un truc hyper important, je reviens tout de suite. Ah, elle est belle la jeunesse. Abandonner sa pauvre mère dans ce lieu infect. Ça suffit, je rentre. J'espère que ma petite fille sera un peu plus accueillante, elle. Oh là 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 là, maman va pas tarder à rentrer et on n'a pas un plan en boîte, c'est la cata. Hé, hey, relax. Richard connaît son texte, on a une nouvelle Manikela et mon image est bonne. En place tout le monde. Occupe-toi du chat au lieu de stresser. Chachoumou, ohé, allez la flaque, réveille-toi. Allez. Coupé, c'est bon pour le chat. On passe à la tirade de Manikela. Action. Ma, j'ai fait ça pour votre bien. Nous ne pouvons pas retourner sur Terre, car la Terre a été détruite. Oh, c'est comme ça. Eh bien, il retourne à mes pizzas. Quelle insolence, c'est moquer de Gino. Vous avez bluffé pour faire monter les enchères. Vous n'avez pas d'autres clients. Vous êtes démasqué. Je veux cet écureuil et tout de suite. Désolé, la cliente va venir le chercher d'une minute à l'autre. C'est impossible. Et vous savez pourquoi? Parce que personne, à part ma mère, ne peut avoir envie d'une telle affrosité. Madame Schurm? Loyer à temps, je ferai le ménage dans la cage d'escalier. Non, c'est une pièce très rare. Vous n'avez pas idée, elle manque à ma collection. J'enlèverai mes chaussures pleines de boue en rentrant dans l'immeuble. Je n'écouterai plus que des chansons d'amour sirupeuses, celles que vous aimez. Je vous dédierai mon livre. Je vous créerai une page perso sur Internet. J'ai une page perso? Sur moi? Rien que sur vous. Ça va être la plus belle page Internet du monde. J'ai hâte de voir la tête de ma mère quand elle ouvrira son cadeau. Je peux savoir ce qui se passe ici? Mamie! Ah! Oh non! Non! Reviens! Hey! Oh, misère! Je ne comprends toujours pas pourquoi tu fais inviter tout le monde. Patience! Va t'asseoir sur le canapé.
Ma chère maman, je n'ai qu'une seule chose à dire. Bonne fête. Ulysse 340, qu'est-ce qui t'est arrivé? Manichella est une traîtresse. Ah, mais c'est... Elle a sabordé le cyber-pouvernail laser et les réacteurs à propulsion nucléaire. Vous n'avez jamais fait de théâtre, vous? Ça se voit. Nous ne pouvons pas retourner sur Terre, car la Terre a été détruite. C'est le meilleur cadeau de fête des mères que j'ai jamais eu. Merci, vraiment. Bonne fête, maman. Oh, ma chérie, c'est merveilleux. Comme ça, je pourrais avoir de belles images de toi en train de grandir. Bonne fête, maman. Eh bien, tu ne t'es pas ruinée. Ça valait le coup de faire les boutiques ensemble. Il ne faudra pas oublier cette photo de moi à 20 ans, ni la photo dédicacée d'Alain Gilbert, et bien sûr, toutes les photos de mes bébés. D'accord. Pardon, vos bébés? Bien oui. Est lié au mouvement des plaques tectoniques. Ça y est, c'est enregistré? Oui. Attends, tu peux me redire ce qu'est une plaque tectonique? Mais t'exagères, ça fait une heure qu'on révise ce cours. Je t'ai fait marcher et je me souviens de tout. Les premiers concepts de la tectonique des plaques ont été formulés en 1912 par le climatologue allemand Richard Wagner. Alfred Wegener. Ok, bon, je tâcherai de ne plus l'oublier. Allez, à demain, ciao. Ciao. Mina, je crois que j'ai oublié mon baladeur. Ton baladeur? Tu l'as pas vu par hasard? Regarde. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que tu caches un truc dans ton dos. Tu ne te trompes pas. C'est quoi? Tu me fais voir? Non. Oh, allez, quoi? Montre-moi ce que c'est. Hey, ça va, arrête! J'ai dit non! Mais pourquoi? Parce que c'est un secret, voilà. Un secret? Ah? Ah, ok, je respecte, hein, t'as le droit d'avoir tes petits secrets. Ben, à demain alors. Oui, c'est ça, à demain. C'est vrai, après tout, même quand on est les meilleurs amis du monde, on peut ne pas tous dire. Et le secret de Mina, c'est sans doute un truc de rien du tout, genre... Eh bien voilà, j'ai honte, mais je suis super fan de Sudoku. Non, c'est vraiment nul comme secret. Ça doit être un truc un peu plus grave que ça. Voyons, ça pourrait être... Je suis dingue de la variété québécoise. Voilà la liste de tous les titres que j'ai téléchargés depuis un an. Ouais, bof, on doit pouvoir trouver mieux. Par exemple... Eh bien voilà, j'ai reçu une lettre de Tristan. Une demande en mariage. Je suis folle amoureuse de lui. J'aimerais que tu sois notre témoin. C'est sûr, c'est un truc aussi grave que ça. Hey, salut. Salut, ça va? Oui, merci. J'ai un cadeau pour toi. Des clés. C'est vraiment un cadeau très... comment dire? Conceptuel. C'est le double des clés de mon appartement. Ah. Je voudrais que tu les aies si jamais...
Enfin, je me disais que ce serait sympa que tu puisses entrer chez moi en cas de problème, quoi. Oh, c'est vraiment une idée extra. Bouge pas. Tiens, Richard, voilà. Mes clés à moi. Tu me les confies? Bah, merci. J'espère qu'on en fera bon usage. Bye. Bye. Ma louloute, dis donc, tu sais pas où il est, le marteau, là? Non. Alors, quoi de neuf? J'ai plus d'amis et ma vie est ruinée. Oh, tant mieux, j'avais peur que ce soit un truc grave. C'est très grave. Mina a un secret dont elle ne veut pas me parler. Tu sais, en fait, c'est un peu ça, le principe du secret. Si on en parle, après, c'est plus un secret. Je sais! N'empêche que ça me rend dingue. Je dois savoir. Et j'imagine, connaissant ton caractère, que ça ne sera rien que j'essaye de te faire changer d'avis. Non. Bon, comme tu voudras. Mais souviens-toi quand même de ce qui est arrivé à la petite souris trop curieuse. Je suis pas une souris, je déteste le camembert et je n'aurais jamais eu l'idée stupide d'aller regarder ce qui se passe dans un broyeur à ordures. C'est sympa de marcher comme ça, en silence, sans rien se dire. Cool. Ouais, ben, on va faire un break du silence parce que moi, j'ai un truc à te dire. Vas-y, je t'écoute. Mais tu sais, c'est un gros secret qui me pèse sur le cœur depuis un bout de temps. Oula! Ben, vas-y, balance, je suis prête. Ben voilà, je dis tout le temps que mon film préféré, c'est Les Liaisons Dangereuses. Mais en fait, c'est faux. Mon vrai film préféré, c'est L'Amour à tout prix. Ah bon? La semaine dernière, tu m'as dit que c'était Sceptique Avenger. Le film avec la nana qui mange une banane? Non, ça c'est la revanche d'Hercule. Sceptique Avenger, c'est où le type est aspergé de déchets toxiques et se transforme en monstre. Il a une cape ridicule dans laquelle il se prend tout le temps les pieds. J'ai jamais vu ce film. C'est bizarre. Bon, bref, je t'ai dévoilé mon grand secret. Ouf, je me sens soulagée. Maintenant à toi. Quoi? Mais j'ai pas de secret. Mais si, tu sais, hier, le truc que t'as pas voulu me dire dans ta chambre. Ce truc, tu veux rire? Ça n'a aucun rapport. C'est un secret vraiment génial. Désolée, mais en comparaison, ton secret minable de film idiot, il ne vaut pas un radis. Allez, viens, on va être en retard en cours de sciences nat. Ah! Aïe! Aïe, aïe, aïe! Toi, inutile de résister. Je vais te fixer. Enfin, moi ou quelqu'un d'autre qui a un marteau. Avenger? Comme je vous l'ai déjà dit, un volcan est un relief terrestre, sous-marin ou extraterrestre formé par l'éjection et l'empilement de matériaux issus de la montée d'un magma. Tu pourrais me donner un indice? Genre, c'est un secret sur machin ou sur bidule? La théorie de la tectonique des plaques. Allez, vas-y! Fais pas ton sphinx là! En effet, c'est en général à la frontière entre deux plaques. Tu m'énerves à la fin! Tu vas me dire ce secret, oui ou non? Lou? Pouvez-vous nous dire qui a évoqué les premières théories de la tectonique des plaques? Richard Wagner? Yeah! Je suis Sceptique Avenger. Malgré ma cape ridicule, personne ne peut m'avoir. Pas même toi, antibiotique. Tu te souviens de Marie-Laure? La petite avec des chaussures à bottes. Non, la grande avec des bottes fourrées. Elle m'a sorti que j'étais hypocoristique. Tu te rends compte? Waouh, dur. Ça veut dire quoi, hypocoristique? Aucune idée. Hey, t'as entendu le son de ma nouvelle contrebasse? Viens voir. Ah non, tu veux qu'on se fasse un petit bœuf chez mon pipo? Ok, suis-moi dans la salle de bain. Question résonance, c'est le meilleur endroit de l'appartement. La salle de bain? Yes, c'est un enfer. Mieux qu'à Abbey Road. Zéro en
SVT alors que j'avais tout bien révisé. Tu l'as pas volé? Tu te prends trop la tête avec ce secret. Et en plus, si tu savais la vérité, tu serais carrément déçue. Ok, t'as gagné, je laisse tomber. On va chez toi? Non, j'ai un truc à faire. Un truc secret? T'as pas dit que tu laissais tomber? Ouais, t'as raison. Allez, à demain. Waouh, t'as raison. Elle est vraiment géniale, la sonorité. Bon, ça te dirait de faire une pause pizza? Attends, avant tout, j'aimerais qu'on se tente une petite impro sur le Lullaby of Birdland. Ok? 3, 4. C'était carrément hypocoristique. Je croyais que tu ne savais pas ce que ça voulait dire. Non, mais j'aime bien ce mot. Allez, viens. On a mérité une bonne pizza de chez Gino. Pour les super-héros, pour les super-amis aussi. Je crois qu'il faut que je parle à Mina. Et moi, à Richard. Allô? Mina? Ouais, c'est moi. Ça va? Ben, bof, j'ai un truc à te dire, mais je vais faire vite parce que j'ai envie de pleurer. Alors voilà, j'ai tout compris, je sais ce que c'est ton secret. Je t'ai vu avec Solène dans la galerie marchande, avec vos places de spectacle et tout. Vous êtes en train de devenir amies toutes les deux, c'est ça? Bon, ben, je comprends, hein, ça devait arriver un jour ou l'autre, notre amitié était trop exclusive et ça, c'est pas bon. Alors si tu veux, on n'a qu'à faire un break d'amitié. Si ça te va, dis-le. C'est fini, là? Je peux en placer une? Oui. Bon, alors retrouve-moi au petit pont dans 10 minutes. Salut. Salut. Ouvre. Deux places pour le concert des Kerry Nations. C'était pour moi en fait. Il y a 3 semaines, tu m'as dit qu'on devrait fêter notre amitié plus souvent. C'était une bonne idée. Mais si tu préfères, je peux aller au concert avec Solène. Allez. Hé, je l'ai vu, ces petits Avengers en fait. À la fin, ils déroutent les égouts pour qu'ils se répandent dans les rues. Coucou. Alors, je viens pour 3 trucs. D'abord pour te rendre ton costume. Et puis pour m'excuser d'avoir fouillé dans tes affaires. Je suis désolée. Et le 3e truc? Ben, je te rends tes clés. J'imagine que tu n'as plus envie de me les laisser. Tu veux rire? Et si j'ai besoin d'une spectatrice avertie pendant mes bœufs dans la salle de bain avec Gaëtan? T'as le temps de prendre un café? Je peux te poser une question? Bien sûr. Pourquoi tu as un costume de sceptique Avenger dans ton armoire? Oh. C'est un secret.